Le tamarin empereur, Saguinu Imperator, est une espèce de singe tamarin qui aurait été nommé pour sa ressemblance avec l'empereur allemand Guillaume II. Il vit dans les états du nord du Brésil des Acre et d'Amazonas et dans le sud-ouest du bassin amazonien, à l'est du Pérou, au nord de la Bolivie. Les tamarins empereurs sont de petits singes avec de longues moustaches blanches qui remontent du museau des deux côtés et ressemblent à des moustaches. On pense qu'ils ont été nommés d'après l'empereur allemand Guillaume II, qui portait également une moustache. Ils ont une fourrure sombre sur le visage et les oreilles, et leur corps est principalement gris avec de petites quantités d'or, de blanc et de rouge. La fourrure du tamarin empereur est principalement de couleur grise, avec des taches jaunâtres sur la poitrine. Les mains et les pieds sont noirs et la queue est brune. Remarquable est sa longue barbe blanche, qui s'étend des deux côtés au-delà des épaules. L'animal atteint une longueur de 23 à 26 cm, plus une longue queue de 35 à 41,5 cm. Il pèse environ 500 grammes. Les tamarins empereurs se trouvent principalement dans les forêts pluviales des basses terres et des montagnes amazoniennes, ainsi que dans les forêts résiduelles, primaires et secondaires. La plaine amazonienne détient une abondance d'eau pendant le niveau de la mer élevé en raison de l'inondation par les sources d'eau à proximité. Cela contribue à un climat tropical très humide qui se produit toute l'année. Les forêts montagnardes inférieures dans lesquelles se trouvent principalement les tamarins empereurs sont considérées comme tropicales et humides avec une abondance de végétation. Pendant la saison sèche, les tamarins empereurs consomment un large éventail de spécimens dans leur régime alimentaire quotidien. Ils mangent des fruits et des fleurs, dont beaucoup sont facilement disponibles en raison de leurs habitats végétaux florissants. Ils mangent également les exsudats de plantes telles que les gommes et les sèves, facilement extraites des arbres dans lesquels ils vivent. Beaucoup choisissent également de consommer des proies animales, telles que des insectes et des grenouilles, selon le type de forêt dans lequel ils se trouvent. Il a été rapporté que les tamarins empereurs s'engagent dans des associations d'espèces mixtes avec les tamarins à dos de celles de Weddell, passant jusqu'à 20% de leur journée à chercher de la nourriture dans ces troupes d'espèces mixtes. Ces tamarins sont omnivores. Ils mangent principalement des fruits mais peuvent aussi se nourrir d'insectes, de gomme, de nectar et de feuilles. Au zoo national du Smithsonian, les tamarins empereurs mangent des fruits, des carottes, des patates douces, des haricots verts, des œufs durs, des vers de farine et des grillons. L'âge de la première reproduction chez les tamarins empereurs est d'environ 16 à 20 mois, avec une période de gestation pouvant aller jusqu'à 6 mois. Les tamarins sont des reproducteurs saisonniers. La reproduction est basée sur la disponibilité de la nourriture. La plupart des naissances ont lieu pendant la saison des pluies lorsque les ressources alimentaires sont abondantes. Les espèces de tamarins étaient autrefois considérées comme des espèces monogames, mais les observations de tamarins empereurs à l'état sauvage montrent qu'ils ont un système d'accouplement polyandre, avec une femelle dominante s'accouplant avec plusieurs mâles. Ce système d'accouplement fonctionne pour assurer l'investissement paternel dans la progéniture. Si une femelle s'accouple avec plusieurs mâles et donne naissance à une portée, les mâles sont plus susceptibles d'investir en raison de la possibilité que l'un des nourrissons transmette ses gènes à la génération suivante.
En raison des taux élevés de gémellité ou de naissances multiples chez les tamarins empereurs, les soins parentaux et l'investissement paternel sont importants pour la survie du nourrisson. Auparavant, la seule connaissance des soins aux bébés tamarins provenait d'études en captivité sur les tamarins à crête cotonneuse, qui a démontré que la survie du nourrisson dépend des aides. Les aides sont soit les descendantes plus âgées de la femelle dominante qui sont restées dans leur groupe natal. Soit les mâles qui interagissent le plus fréquemment avec la femelle dominante. Le portage du nourrisson a un coût énergétique élevé en raison du poids fœtal relativement important des nourrissons par rapport au poids des adultes. Les aidants fournissent le soutien supplémentaire pour éliminer une partie du coût des soins à plusieurs nourrissons. On a observé que les tamarins empereurs mâles passent le plus de temps avec les nourrissons, portant souvent les deux nourrissons tandis que la femelle dominante se nourrit. Les tamarins empereurs mâles seraient plus attentifs aux nourrissons et plus protecteurs. La mortalité infantile dans la nature est à son maximum pendant les semaines 5 à 15 de leur vie, lorsqu'ils commencent à se déplacer et à explorer par eux-mêmes, car l'une des plus grandes menaces pour la survie des nourrissons est de tomber de la canopée. Les tamarins empereurs sont répertoriés par elle, Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, comme une espèce de moindre préoccupation, et il n'y a aucun effort de conservation visant directement cette espèce de primate. Les populations de tamarins empereurs sont en déclin en raison des menaces de déforestation et d'empiétement humain. La fragmentation des forêts est devenue un énorme problème pour les espèces de primates arboricoles dans les néotropiques. La fragmentation entraîne une restriction de l'aire de répartition des tamarins, entraînant l'isolement des populations. Les tamarins empereurs sont situés dans des zones protégées au Pérou dans le parc national de Manu et en Bolivie à Axangrave réserve nationale de faune amazonienne de Manuripiés. Il n'y a pas de zone protégée qui chevauche les populations brésiliennes de tamarins empereurs. Les tamarins empereurs vivent généralement en groupes familiaux élargis de 2 à 8 personnes, bien qu'il puisse y en avoir jusqu'à 15 dans un groupe. Ils ont également été observés vivant en groupes d'espèces mixtes avec d'autres tamarins, en particulier le tamarin à dos cellier, Sacinus fusicoli. Cette relation mutuellement bénéfique protège probablement les deux espèces des prédateurs. Les tamarins empereurs vivent de 10 à 20 ans. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.